Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, les lois universelles. De nombreux enseignants spirituels ont transmis durant ces dernières décennies l'information importante que nos pensées proviennent toutes de deux grandes catégories, l'amour ou la peur. Cette compréhension fait partie des intégrations les plus importantes qu'une conscience puisse faire sur son chemin d'éveil spirituel. En effet, la première étape dans notre développement spirituel est d'intégrer le fait que nous créons notre réalité extérieure directe sur la base de notre réalité intérieure, c'est-à-dire de nos pensées, et de leur qualité vibratoire. Sachant que nous émettons en moyenne 60 000 pensées par jour, il convient de se demander comment nous utilisons ces pensées, vers quoi sont-elles tournées, et ce qu'elles nourrissent en chaque instant, la peur ou l'amour, avec les différentes sous-catégories qu'elles comprennent. Sont-elles en majorité positives ou négatives? Malheureusement, la plupart des humains collectivement ont encore des pensées dans l'ensemble plus négatives que positives, même si cette tendance est progressivement en train de changer grâce à l'émergence grandissante de l'accès aux informations alternatives de ces dernières années qui ont permis aux humains de pouvoir comprendre le lien entre physique quantique et spiritualité, ainsi que le rôle de la conscience dans la manifestation de la réalité. Ce que nous appelons encore aujourd'hui souvent de la magie n'est que de la science ou de la technologie non encore comprise. Les domaines longtemps considérés comme farfelus tels que l'ésotérisme, le paranormal, l'énergétique, deviennent progressivement la normalité pour ceux qui ont déjà bien entamé leur processus d'éveil spirituel en cette phase d'ascension planétaire, souvent passée par une nuit noire de l'âme. Leur processus d'intégration de l'âme, de développement de leur maturité spirituelle, de libération spirituelle, ainsi que leur processus de guérison spirituelle. L'humanité est en train progressivement de s'éveiller à de nouvelles façons de percevoir la réalité, à de nouvelles techniques de guérison par l'énergie, incluant le sang, et découvre progressivement sa véritable histoire cachée, lui permettant de petit à petit comprendre sa dimension cosmique et son imbrication dans le grand tout, dans l'univers, et même pouvons-nous dire les multivers. L'humanité va progressivement se reconnecter aux lois universelles, qui sont bien loin des différentes lois que certains ont instaurées sur Terre, que ce soit via la création de religions ou de dogmes, ou via les différentes institutions s'étant succédées tout au long de l'histoire, dans le but de maintenir les humains esclaves des pouvoirs en place et esclaves de leurs croyances. La plupart des humains étant déconnectés de ces lois cosmiques, car on ne leur a volontairement jamais enseigné, ou alors de manière falsifiée comme au sein des religions ou des sectes par exemple, sont donc en permanence en effraction cosmique et ne cessent de payer individuellement et collectivement les conséquences de cette ignorance et de cette irresponsabilité au niveau universel, au travers de différentes conséquences énergétiques, les plus connues étant ce qui est communément appelé le karma, ou plus justement, la loi de cause à effet. L'humanité n'est cela dit pas entièrement responsable de sa situation. En effet, son évolution naturelle a été largement interférée par certaines autres civilisations, développées technologiquement mais non spirituellement, peuplant notre univers et les autres dimensions, et ce depuis son commencement, considérant l'humanité comme du bétail et comme une race esclave, stupide et ignorante. C'est la raison pour laquelle de nombreuses consciences se sont incarnées en cette période d'ouverture cosmique, afin de révéler la vérité sur la situation d'asservissement de l'humanité depuis son commencement et sur sa véritable histoire, et pour permettre aux humains de se libérer eux-mêmes par l'accès à ces informations et par un travail personnel et spirituel. Il est important en effet de sortir des schémas victimes-sauveurs ayant déjà causé trop de dégâts au travers des différentes religions instaurées sur Terre. C'est à chaque humain de se libérer lui-même, par son propre travail personnel, de compréhension de ce qu'il se passe, avec maturité et absence de déni, et avec son travail personnel de reconnexion avec sa conscience supérieure, en passant par un démantèlement
des différents masques du mental ego portés jusqu'alors. Et enfin, par son travail de guérison spirituelle. Ce travail devra obligatoirement passer par un apprentissage ou une reconnexion aux différentes lois cosmiques régissant l'univers. Car tout organisme vivant est sous la gouvernance de ces lois, que nous le comprenions, que nous le sachions, ou que nous l'acceptions ou non. Ce qui est le cas, par exemple, de certaines races ayant décidé de détourner et de violer les lois universelles. Au même titre qu'il y a certaines lois physiques qui régissent notre réalité dans la matière, les dimensions 1 à 3, et que l'on ne peut ignorer même si on n'y croit pas, telles que la loi de la gravité par exemple, il y a également des lois énergétiques qui gouvernent l'ensemble des dimensions invisibles, et qui ont donc, puisque tout est énergie et vibration, et que toutes les dimensions sont imbriquées, un impact direct sur notre réalité physique. Cependant, encore une fois, la plupart des humains ne sont pas au courant de ces lois, n'étant pas enseignés ni à l'école, ni par leurs parents, n'étant en général eux-mêmes pas spirituellement matures, ni conscients des mécanismes de création de la réalité, de leurs responsabilités énergétiques et des différentes forces peuplant notre univers. Également, la plupart des humains ont été programmés par contrôle mental incessant à rejeter ces sujets en faisant des amalgames installés volontairement dans leurs esprits via différents moyens. Par exemple, via les médias, les films, documentaires visant à discréditer ces sujets, via la diffamation de certains enseignants spirituels, via des associations exagérées de tous ces sujets aux mots gourou ou secte, pour tenir un maximum de personnes éloignées de ces informations. La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisées et manipulées dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave, et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère. Les lois universelles. La loi de l'un, the law of one. La loi de l'un est pratiquée par les races cosmiques avancées qui préconisent la responsabilité individuelle via la compréhension du caractère interconnecté de toute forme de vie. Certains émissaires et représentants de ces races avancées penchés sur la situation de l'humanité dans le but de l'aider dans cette phase se sont incarnés et sont actuellement incarnés sur Terre pour enseigner sur cette loi, ainsi que sur les sciences de l'ascension qui y sont directement reliées. Voici les principes de la loi de l'un. La conscience d'unité. S'aimer. Aimer les autres. Aimer la terre et la nature. Le service à autrui. L'expansion de la conscience. Et la co-création responsable. La loi de l'attraction ou loi de résonance. La loi universelle la plus connue chez ceux qui ont déjà entamé un chemin spirituel est souvent malheureusement traitée de manière incomplète est la loi de l'attraction ou loi de résonance. En effet, en envisageant la loi de l'attraction plutôt sous son aspect de résonance vibratoire et non uniquement sur la base de nos simples pensées, nous comprenons mieux comment nous manifestons notre réalité en chaque instant. Nous ne créons pas notre réalité en fonction de ce que nous pensons uniquement, mais plutôt en fonction de la fréquence vibratoire que nous émettons chaque instant.
l'ensemble des réalités individuelles manifestées constitue la réalité collective que l'humanité vivra ensuite. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle de nombreuses âmes se sont incarnées en cette fin de cycle et période d'ascension pour permettre à l'humanité de manifester collectivement sa propre libération via la conscience des lois universelles. Il est en effet impossible de devenir mature spirituellement, d'ascensionner vibratoirement et d'être dans la maîtrise personnelle sans être en harmonie avec les lois cosmiques. La loi de causalité ou cause à effet. La loi de cause à effet est également très importante à comprendre et ignorer de nombreux individus pensant qu'ils peuvent faire à autrui ou à la terre tout ce qu'ils veulent sans en subir de conséquences à un moment ou un autre. Le karma, très mal compris au sein des communautés religieuses et spirituelles, n'est pas une punition prodiguée par un dieu extérieur qui jugerait nos actions en deux catégories, bien ou mal, qui déterminerait ensuite si nous irions en enfer ou au paradis, ou alors si nous recommencerions une nouvelle incarnation avec comme punition de subir ce que nous avons effectué à autrui dans le passé. C'est une vision très imagée et bien trop simpliste et faussée de la réalité du fonctionnement de ces lois universelles de cause à effet. La causalité est le lien entre une cause et sa conséquence, c'est-à-dire son effet dans l'univers. Cette loi universelle signifie que tout effet a une cause et que toute cause a une conséquence énergétique. En cela, les humains sont bien loin de prendre cette responsabilité énergétique et ont tendance à blâmer autrui pour les circonstances qu'ils ont eux-mêmes co-créées. En effet, l'univers est composé de différentes forces. Deux forces principales coexistent. Car par les lois du libre-arbitre et du consentement, tout être a le choix d'opter pour ce que l'on appelle communément les forces du bien ou les forces du mal. Analogie parfaitement illustrée dans les films Star Wars par exemple, et représentant exactement la réalité de l'univers, aussi bien en termes de guerre cosmique que des deux facettes de la force que nous pouvons choisir en chaque instant. Ces deux forces ne sont autres justement que ces deux fameuses catégories vues au début de ce podcast. La peur, résonnant sur les fréquences de l'ego, débouchant sur le chaos, la disharmonie et l'antivie, et incluant la rage, la haine et la frustration. Ou l'amour, résonnant sur les fréquences des forces de la vie, de l'harmonie, de la gratitude et de la bonté. En chaque instant, et avec chacune de nos pensées, actes et paroles, nous faisons le choix conscient ou inconscient de la fréquence sur laquelle nous allons opérer. Et par conséquent, par la loi de résonance, du côté de la force qui va manifester, par la loi de cause à effet, une conséquence énergétique puis physique dans notre réalité ainsi que dans la réalité collective. Ainsi, si nous effectuons des actions positivement intentionnées, nous récolterons des conséquences positives et nos intentions pures, par les lois de l'intention, du libre arbitre et du consentement, créeront une alliance avec les forces et entités positives peuplant les différentes dimensions. À l'inverse, si nous effectuons des actions négativement intentionnées, nous récolterons des conséquences négatives et nos intentions négatives, par les lois de l'intention, du libre-arbitre et du consentement, déclencheront une alliance avec les forces et entités négatives peuplant les différentes dimensions. Les différentes races et entités peuplant les dimensions non physiques, à partir de la quatrième dimension et au-dessus, n'ont pas la possibilité de manifester directement dans la matière. Pour cela, elles ont besoin de véhicules physiques dans la troisième dimension pour manifester dans la matière les conséquences de leur volonté. C'est la raison pour laquelle de nombreux désincarnés, appelés en langage courant fantômes ou esprits, continuent de rôder autour d'autres humains encore incarnés dans la matière, en espérant vivre, au travers d'eux, certaines sensations qu'ils ne peuvent plus avoir.
Si ces individus sont morts sans avoir fait de travail spirituel, ils sont pour la plupart encore sous le joug de leur ego négatif. Car la mort physique en soi ne nous enlève en rien notre travail spirituel à accomplir et nous ne devenons pas illuminés dès lors que nous mourons. Ces âmes peuvent donc être encore contrôlées par différentes addictions qu'elles chercheront à continuer à combler via d'autres véhicules physiques. Addiction au sexe, à la luxure, à la gloutonnerie, alcool, drogue, violence, etc. À ces désincarnés, précédemment humains, s'ajoutent également dans les autres dimensions toutes sortes de races interdimensionnelles, extradimensionnelles et extraterrestres qui, elles aussi, seront attirées à nous par la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Ces entités et consciences ont comme nous, sous la loi du libre-arbitre, le choix d'œuvrer pour la vie ou pour l'antivie, pour l'harmonie ou pour le chaos. Ces deux principaux courants de force sont également appelés forces christiques et forces lucifériennes et sataniques. Toutes les religions ont repris ces concepts avec leurs propres termes, mais il convient aujourd'hui que l'humanité se reconnecte à la véritable signification de ces termes et surtout à la réalité de l'existence de ces différentes forces, en lâchant toute forme de déni. Certaines races extraterrestres, en alliance avec les gouvernements et complexes militaro-industriels, sont en accord, par leur libre arbitre et loi du consentement, pour servir les forces luciférienne et satanique, ce qui signifie l'absence de connexion divine et donc d'empathie et de connexion du cœur. Beaucoup d'humains n'arrivent pas à comprendre ni à concevoir comment de telles abominations peuvent être perpétuées sur Terre, telles que les guerres, les viols, les meurtres, les sacrifices sataniques, l'esclavagisme sexuel ou la pédophilie. Mais c'est tout simplement pour cette raison. Lorsque nous ne sommes pas connectés à nos chakras supérieurs ou que nous n'en disposons tout simplement plus dû à notre régression génétique, qui sont les conséquences de nos choix de vie et d'intention sur des milliers voire millions d'années, comme c'est le cas de certaines races, que nous qualifierons d'archontes pour les rassembler, alors nous sommes déconnectés de toute forme d'empathie et n'opérons que sur la base de notre ego et de sa soif de contrôle et de pouvoir, déconnectés de toutes les autres formes de vie et ne se préoccupant que du service à soi-même. Ces forces ne pouvant pas créer directement leur volonté dans la matière, programment les humains via contrôle mental, par les médias, religion, système éducatif, le domaine scientifique, par toute forme d'abus rituels, etc., afin de manipuler leur subconscient, et que les humains créent eux-mêmes de manière inconsciente et par ignorance un agenda qui aura été établi par d'autres et non par leur propre âme et conscience. Ainsi, différents événements sont orchestrés et maintenus sur Terre, principalement les guerres, le terrorisme, les catastrophes, la précarité, l'insécurité, afin de perpétuer ce climat de terreur nécessaire au maintien de la docilité des humains, ainsi dirigée par la peur et donc dans l'incapacité de se connecter aux fréquences vibratoires supérieures que sont les fréquences de l'amour. Vous pouvez à présent prendre l'article lié à ce podcast et observer l'échelle des émotions qui y figure. Nous voyons que tout en haut, de la spirale ascendante, l'émotion la plus élevée vibratoirement est celle de l'amour, fréquence qui est très étroitement liée à celle de la joie. Tout en bas de la spirale descendante des émotions, nous n'avons pas la haine, car l'inverse de l'amour n'est pas la haine, mais est la peur, étroitement liée avec la vibration d'impuissance. Entre ces deux polarités que sont l'amour et la peur, se trouve une multitude d'autres nuances d'émotions. Ainsi, il convient de se poser la question sur une journée, à combien de pourcentage suis-je dans les émotions positives versus négatives? Parmi les émotions positives, et de manière ascendante, nous pouvons compter la satisfaction, l'espoir, l'optimisme, la croyance d'une attente positive,
l'enthousiasme, la passion. Et donc tout en haut, l'amour et la joie. Dans la spirale descendante des émotions négatives, nous pouvons compter, et nous allons les citer de manière descendante en termes de fréquence vibratoire, l'ennui, le pessimisme, la frustration, l'irritation et l'impatience, le sentiment d'écrasement, la déception, le doute, l'inquiétude, le blâme, le découragement, la colère, la vengeance, la haine ou la rage, la jalousie, l'insécurité, la culpabilité ou l'indignité, et enfin, tout en bas de l'échelle des émotions, la peur, qui est étroitement liée au sentiment d'impuissance, à la dépression et à la victimisation. Ainsi, il convient de se poser la question sur une journée, à combien de pourcentage suis-je dans les émotions positives versus négatives ? Suis-je en majorité dans les émotions positives ou dans les émotions négatives ? Si je suis en majorité dans les fréquences vibratoires élevées, alors je contribue à créer une réalité en majeure partie positive pour moi-même et pour le monde. Je suis un co-créateur qui utilise les lois du libre-arbitre et du consentement de manière à être en harmonie avec le monde qui m'entoure et avec les lois universelles. Si je suis en majorité dans les fréquences vibratoires basses, alors je contribue à créer une réalité en majeure partie négative, pour moi-même et pour le monde. Je suis un co-créateur qui crée consciemment ou inconsciemment une réalité qui ne respecte pas les lois universelles et qui causera, par la loi de causalité, des conséquences énergétiques en moi-même et dans l'univers. Par la loi de l'équilibre, je devrais ensuite rééquilibrer les débris énergétiques que j'ai causés et réparer les conséquences de mes actes, que ce soit dans cette incarnation ou dans les prochaines. Jusqu'à présent, puisque la réalité sur Terre était en majorité gouvernée par la noirceur et l'inconscience, la normalité était donc le non-respect des lois universelles. Nous ne pouvions donc pas réellement percevoir les conséquences directes des actes irresponsables et en totale violation des lois universelles, car la matrice faisait obtenir le succès de toutes les personnes provoquant justement le viol de ces lois au plus haut degré. Par exemple, les grandes entreprises de destruction de la planète, les célébrités prônant l'inconscience, la violence et la débauche, les gouvernements orchestrant les guerres et le terrorisme, l'industrie alimentaire et de la mode provoquant le massacre de milliards d'animaux par an. Ces comportements n'étant pas ou très peu punis par les lois terrestres, les humains n'ont pas pensé qu'ils pourraient avoir des conséquences, cependant, de par leur violation des lois universelles, qui sont bien plus importantes que les lois humaines. Ces humains ont profité de leur succès, de leur richesse et célébrité passagère en raison de l'ignorance des humains. Mais depuis fin 2012 et depuis l'ouverture des portails interdimensionnels qui ont permis enfin l'accès aux fréquences supérieures pour la Terre et la libération de la planète de sa quarantaine énergétique et cosmique, les lois cosmiques reprennent peu à peu le dessus et nous pouvons tous voir à quel point nous subissons désormais les conséquences directes de tout ce que nous pensons, disons ou faisons, de manière décuplée. Aussi bien dans le négatif que dans le positif. Si auparavant nous pouvions avoir des intentions négatives et agir négativement sans en subir de conséquences négatives directes, tout du moins pendant un certain temps, aujourd'hui cela n'est plus possible. Raison pour laquelle de nombreux humains vont vivre aujourd'hui les conséquences de tous leurs agissements passés, et raison pour laquelle beaucoup vont vivre des crises existentielles, crises de santé et crises émotionnelles dans cette phase intense d'ascension vibratoire, où tout ce qui n'est pas fondé sur la base de l'amour et des émotions associées ne pourra plus perdurer et devra être démantelé. Ceux qui feront le choix de rester sur des fréquences basses et négatives expérimenteront directement les conséquences de leurs actes et se dirigeront vers la pente descendante de l'involution, à la place de l'ascension, avec les conséquences directes sur leur conscience et leurs futures incarnations. A l'inverse, ceux qui feront le choix d'opter pour une purification profonde de leur être, pour leur libération spirituelle en travaillant leur maturité spirituelle et via leur guérison spirituelle, expérimenteront les symptômes de l'ascension et connaîtront des états alors jamais connus jusqu'à présent.
Ces états dont il est question ici représentent les moments de connexion intense avec notre conscience supérieure, avec notre famille cosmique, ainsi qu'avec les autres âmes avec qui nous sommes venus nous incarner, en particulier tous ceux d'entre nous venus en mission sur Terre pour assister dans cette phase, et la redécouverte de ce que c'est que de véritablement vivre sur la base de l'authenticité, de l'amour, de la vérité et de la sagesse. Tout cela en parfait accord avec les lois cosmiques et universelles. Cet état de réalisation intérieure profonde ne pouvait être atteint de quelque manière que ce soit dans la matrice illusoire que nous quittons progressivement, où la superficialité et le mensonge ne seront plus supportés. La loi du libre-arbitre, ou loi de non-interférence, ou de non-ingérence. Cette loi stipule que tout être est libre et souverain d'effectuer les choix qu'il souhaite effectuer. Il a dans l'absolu le droit de violer les lois universelles s'il le souhaite, mais devra en subir, comme nous venons de le voir, les conséquences énergétiques. Cette loi inclut également le fait que nous n'avons pas le droit d'interférer dans la vie d'autrui. Ainsi, tuer quelqu'un ou un animal et ainsi stopper son processus d'incarnation est une interférence considérable qui déclenchera des conséquences énergétiques à rééquilibrer. La planète Terre était une planète de libre arbitre, une géante bibliothèque vivante abritant toutes sortes d'espèces dans le but qu'elles puissent expérimenter la vie physique et expanser à tous les niveaux. Mais certaines races ont interféré dans cette évolution naturelle, violant ainsi, encore une fois, les lois universelles, et ont provoqué à de nombreuses reprises des génocides de civilisations entières, comme la civilisation atlante et lémurienne par exemple. Manipuler génétiquement de nombreuses espèces en les hybridant avec d'autres et en provoquant de sérieux dommages, ainsi qu'en infiltrant des valeurs d'antivie et de technologie sans conscience, l'intelligence artificielle, au sein de la création, créant ainsi les différentes couches de l'ego et ses distorsions de perception, dues aux différents traumatismes imposés à la race humaine. Le libre arbitre sur Terre n'est pas respecté car les humains ne sont pas au courant eux-mêmes de leur réelle nature cosmique, de leur asservissement, ainsi que de leur véritable histoire, puisque nous avons tous la mémoire effacée par le fait même de rentrer dans cette matrice à l'incarnation, système installé par les factions extraterrestres négatives. Ainsi, les forces ayant dominé la civilisation humaine depuis son commencement ont manipulé la loi du libre arbitre en faisant subir karmiquement aux humains les conséquences de choix totalement inconscients, les obligeant à se réincarner de vie en vie pour rééquilibrer leurs actes contraires aux lois cosmiques sans même avoir connaissance de ces lois, ou alors de manière distorsionnée. Cette liste de lois universelles n'est pas exhaustive, mais elle rassemble volontairement, dans un premier temps, les lois les plus importantes à assimiler et à comprendre pour tout être désirant avancer sur son chemin spirituel et de reconnexion à sa véritable identité cosmique. C'est uniquement lorsque l'humanité, collectivement, se sera reconnectée aux différentes lois naturelles et universelles qui régissent notre réalité tangible et intangible, qu'elle pourra réapprendre à vivre selon les plus hauts principes de respect, d'unité, d'harmonie et de sagesse, qui caractérise une civilisation consciente et développée spirituellement. Nous sommes nombreux à avoir comme mission l'enseignement et surtout l'application de ces lois ici-bas. Cela se fera, par exemple, via la construction de nouvelles plateformes alternatives d'enseignement et d'écoles alternatives, pour petit à petit rompre l'endoctrinement passé du système éducatif qui a préféré enseigner les dates des guerres et les différents noms de leurs bourreaux et faux dieux à ses enfants, plutôt que les réelles façons de bien se comporter en tant qu'être humain, citoyen cosmique, ainsi que les réels moyens de réussir sa vie, en alignement avec son âme et avec sa propre mission spirituelle. Nous avons tous le pouvoir de construire ce nouveau monde, cette nouvelle terre qui redeviendra ce qu'elle a été avant son invasion, où les êtres pourront vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres et avec les autres royaumes, tout en continuant de s'expanser vers toujours plus de développement et de conscience, dans l'abondance et sans manque de ressources,
car il y a suffisamment de ressources pour tous si nous réapprenons le partage et l'équité. Le seul but d'une âme est de grandir éternellement, tout comme tout ce qui constitue l'univers, lui-même en permanente expansion. Représentons cette expansion et incarnons le respect de ces lois universelles, nécessaires à l'émancipation de la race humaine vers sa souveraineté retrouvée. Je vous remercie pour votre écoute et vous remercie pour votre implication dans ce processus d'ascension et de libération de l'humanité et de la planète Terre.